Dans cette vidéo, nous allons voir un second exercice de Méludia et cela va me permettre de vous donner quelques astuces et de vous expliquer les mécaniques d'apprentissage de l'application. Nous sommes désormais dans la seconde étoile du module Découverte de Méludia. Cela signifie que l'on a sauté 25 exercices depuis la dernière vidéo. Les instructions dans Méludia sont les plus simples possibles et les moins analytiques possibles. Le principe, c'est que même sans l'instruction, même sans le glossaire, vous allez pouvoir comprendre l'exercice par vous-même. Tous les exercices contiennent un mode entraînement qui va vous permettre d'écouter des séquences de l'exercice et de comprendre comment vous allez pouvoir répondre. Dans cet exercice, on a d'un côté des motifs similaires, écoutons, et de l'autre côté, un motif est différent, écoutons. Dans le mode entraînement, vous pouvez écouter autant de séquences que vous voulez. On va maintenant lancer l'exercice. Motif similaire. Motif similaire. Un motif était différent. Ah, dans cet exemple, un motif était différent, mais je vais faire exprès de me tromper en cliquant sur motif similaire. Comme vous avez pu le voir, il y a un mode correction. Le mode correction permet de voir quel motif était différent. Là aussi, on peut répéter la séquence autant de fois qu'on le souhaite. Le mode correction a donc pour but de favoriser l'autonomie et d'approfondir l'exercice quand on fait des erreurs. Ça contribue à ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, qui est très utilisé dans Méludia. À chaque fois qu'on explique quelque chose à quelqu'un, c'est comme si on lui enlevait l'opportunité de le découvrir et de le comprendre par lui-même. Méludia repose sur un mécanisme d'essai-erreur qui permet de renforcer toutes les notions progressivement. À noter, dans cet exercice, la question qui est posée n'est pas en soi le but de l'exercice. Le but de l'exercice est de renforcer la perception de l'octave, qui est certainement le principe le plus fondamental de la musique. Dans cet exercice, on prépare la découverte de cette perception de manière implicite, et c'est très efficace. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un exercice très important en musique, le majeur et le mineur.